fils de l'homme. Je t'envoie comme missionnaire. Je t'envoie comme missionnaire. Vers le peuple ivoirien. Vers le peuple ivoirien. Oui, vers le peuple ivoirien. Vers le peuple ivoirien. Tu dois écouter la parole de ma bouche. Tu dois écouter la parole de ma bouche. Et les avertis de ma part. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons appeler ici le pasteur Théo Kinyelma. We are going to call here Pastor Théo Kinyelma. Qui est le directeur national de l'école des missionnaires, de l'école de la connaissance du service de Dieu. Who is the national director of the missionary school? Et ce soir, nous allons prier pour les missionnaires qui ont été formés. Tonight, we are going to pray for the missionaries who have been trained. Et l'église va les bénir. And the church is going to bless them. Et nous allons les envoyer. And we will send them. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Ils iront avec le pouvoir de prêcher et de chasser les démons. They will go with the power to preach and to cast out demons. Et c'est une chose merveilleuse. It's a wonderful thing. Je pense que les semeurs doivent d'abord chanter quelque chose avant qu'on ne les appelle. I think the sowers are going to sing something before we call them. Vous pouvez vous tenir là où vous êtes. You can stand where you are. Et écoutez bien les paroles de ces chants. And listen it carefully the words of this song. Le premier missionnaire fut Abraham, qui a accepté de quitter sa nation, ses parents, pour servir le Seigneur son Dieu, au loin dans une patrie qui lui était inconnue, avec des grandes promesses. On dit que partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vraie vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. C'est pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Et puis un beau jour, tu es parti en aventurier.
disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. Partir, partir, c'est mourir un peu. Partir, partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Quand la voix disait, compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux. Tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur. Mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, dans ce monde. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant. Quand la voix disait, compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux. Tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur. Pour Abraham, c'était une aventure, mais c'était la vraie vie. C'était le chemin pour connaître Dieu, pour répondre à cette voix qui lui avait demandé des choses difficiles, mais qui pourtant était pour lui le vrai bonheur. Oui, partir. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Nous sommes très reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que la 7e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu se tienne à Abidjan et précisément au temple d'Agamé. We are very grateful to our Lord Jesus who allowed the seventh session of the School of Knowing God to be held here in Abidjan in Agamé. Depuis le 1er février jusqu'en ce jour 14 mars 2018. From February the 1st up to this day, March the 14th, 2018. S'est tenue la session 2018 de l'école de la connaissance et du service de Dieu. The session of 2018 of the School of Knowing God has been held. Nous voudrions sincèrement remercier le président du conseil des missions en la personne du pasteur Médé Boniface. We sincerely would like to thank the president of the mission section personally. I mean that is Pastor Médé Boniface. Qui non seulement nous a encadrés à l'école, mais nous fait l'honneur de servir à ses côtés pour la conquête de la nation de Côte d'Ivoire. Who not only led us at this mission, at this school,
But he also gave us the honor to serve with him in this nation. Nous remercions également tous les professeurs qui nous ont aidés, encadrés et instruits à l'école. We also would like to thank all the teachers who helped us to instruct and monitor at this school. Nous remercions les anciens d'Abidjan qui nous ont soutenus et nous ont donné leur salle, nous ont hébergés pour que la session 2018 se tienne sans difficulté. We thank the elders of Abidjan who handed their room over to us and also the room where we slept for this session to be held without any difficulty. Et nous remercions également tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté à manger, qui ont prié pour nous, particulièrement les semeurs et bien d'autres frères qui nous ont vraiment soutenus. Nous voulons vraiment leur dire grandement merci. We also would like to thank all those who supported us, who assisted us, brought us food to feed us, and particularly the sowers and all the other brethren, we thank them. Donc à présent, les conclusions de cette session 2018. Now I'm going to give the conclusion of this session 2018. Nous avons pour la ville d'Abidjan, for the town of Abidjan, et précisément à Port Boué, and precisely in Port Boué, nous affectons le couple Benyounou Kassi Innocent. We are affecting there the couple Kassi Innocent. Avec la Saint-Zie Léopoldine. Le couple Anobile. Couple Anobile Josias. Qui sont confirmés comme nos missionnaires de la littérature. Who are confirmed as our missionary of literature. Et Zaguri Georges et Zaguri Marie-Jeanne. Zaguri Georges et Zaguri Marie-Jeanne. À l'intérieur du pays, nous avons pour la région du Cavali. Upcountry for the region of Cavali. Et précisément pour la ville de Giglo. Precisely in Giglo. Nous confirmons le couple Konan Kwaku. We are sending there the couple Konan Kwaku. Pour la région du Lodibois, nous appelons le couple Kwame Konan pour la ville de Ire, pardon. For the region of Lodibois, precisely in Ire, we called Kwame Konan. Toujours pour la région de Lodibois, Lakota précisément, nous appelons le couple Kwaku Kwame Dominique. For Lakota, the couple Kwaku Kwame Dominique. La région de l'Agnébitiassa et Agboville. The region of Agnébitiassa, that is Agboville. Nous appelons le couple Abo Kadjo Samuel. The couple of Abo Kadjo Samuel. Daloa. The region of Osasandra, precisely in Daloa. Nous avons le couple Assi Adje Chris Bams. The couple Assi Adje Chris Bams. Dans le Osasandra toujours, le couple Kofi Kwaku. For the city of Iwojue, still in Osasandra, the couple Kofi Kwaku. Pour la région du Gor et à Ganyowa. For the region of Gor in Ganyowa, precisely. Le couple Ziki Sayue Mbe. The couple Ziki Sayue Mbe. Et toujours dans la région du Gor et précisément à Oumé, nous appelons le couple Kwaku José Patrick. In the region of Gor, precisely in Oumé, we call the couple Kwaku José Patrick. Dans la région de la Maraoué et précisément à Zionoula. In the region of Maraoué, precisely in Zionoula, sont affectés Oulaï Cyril et Adou Ghislaine. Oulaï Cyril and Adou
Kosia, Ghislaine à Saint-Der. Pour la région de la Bagoué et à Tengrela. For the region of Bagoué in Tengrela. Est affecté le frère Ngessan Yacinthe Elvis. Brother Ngessan Yacinthe Elvis. Il doit aller normalement avec la sœur Sika Ange José. He should be there with Sister Sika Ange José. Pour la région de Grand Pont et précisément à Jacquesville. For the region of Grand Pont, precisely in Jacquesville. Nous avons le couple Saul Levy. The couple Saul Levy. Pour la région de la Mai et précisément à Azopé. For the region of Mai, that is in Azopé. Le couple Waou Loa Bertin. The couple Waou Loa Bertin. Pour la région du Sud Komoué à Kukurandumi, nous avons le couple Nieglo. For the region of Sud Komoué in Kukurandumi, the couple Nieglo. Pour la région du Inzi et précisément à Bokanda, nous appelons le couple Djegré. For the region of Zi, precisely in Bokanda, couple Djegré. Et la sœur Kimu Christabel doit rejoindre son mari à Fresco, dans la région du Boclet. Sister Kimu Isabel must meet her husband in the region of Boclet. Pour la région de l'ingénieur Jamblin, et précisément dans le département de Béthier, nous appelons Kofi Kwasi Rodrigue. For the region of ingénieur Jamblin in Béthier, we call the couple Kofi Kwasi Rodrigue. Et la sœur Canon Aïkwe Angeline doit rejoindre également son mari à Bediala dans la région de Haut-Sassandra. Sister Canon Aïkwe is going to join her husband in Haut-Sassandra in Bediala. Pour la région du Tonkwi, nous envoyons à Kubli Kwame Yuan Frank. For the region of Tonkwi, in Kubli, we send Brother Kwame Yuan Frank. Dans la région du Gbeke et précisément dans le département de Sakassou, Konakan Aimé. In the region of Gbeke in Sakassou, Brother Konakan Aimé. La région du Ifou et à Daoukro, nous envoyons Kwaku Aou Noël. In the region of Ifu, Brother La Kwaku Yao Noel. Et pour la région de San Pedro, et précisément à San Pedro, nous envoyons le frère Nzigula Bese Kwabo. Brother Nzigula Bese Kwabo is going to the region of San Pedro, precisely in San Pedro. Le frère Daou Nyamien Vincent est confirmé à Daou dans la région du Sud Komoué. Brother Daou Nyamien Vincent is confirmed in Daou in Sud Komoué. Et toujours dans le Sud Komoué, dans la ville d'Abouasso, nous avons envoyé le frère Yebi Ser Eric. Dans la région de Lodibois et à Divo, le frère Lagou Ani Yao Kofi Yves. In the region of Lodibois in Divo, brother Lagou Ani Yao Kofi Yves. Ils sont envoyés comme stagiaires. Those who are like trainees. Dans la région du Gbeke et précisément à Botro, Bélé Olivier Césaire. In the region of Gbeke in Botro, brother Bélé Olivier Césaire. Pour la région de Kabadougou et précisément à Odiené, Conan Yao Ser Wilfried.
In the region of Kabadougou, in Odené, Brother Conan Yao Serge Ulfi. Et sa fiancée reste à Marukori pour son stage. His fiancé will stay for his training here. Pour, dans la région du Haut-Sassandra et à Daloa, la sœur Nguessan Amouin Simone continue son stage. In the region of Haut-Sassandra and Daloa, Sister Nguessan Amouin Simone is still on training. Dans la région du Worodougou, et précisément à Séguéla, in the region of Worodougou, le frère Anon Beda Jonas Arnaud. In Séguéla, brother Anon Beda Jonas Arnaud. Pour la région du Guémont et à Diokwe, Ouattara Pampo Emmanuel. In the region of Guémont, in Diokwe, brother Ouattara Pampo Emmanuel. Dans la région du Bélier, précisément à Yamsokro, la sœur Kwame Maman Gladys. Sister Kwame Maman Gladys, in the region of Bélier, precisely in Yamsokro. Et pour la ville d'Abidjan, nous avons la sœur Dali Esther. For the town of Abidjan, we have the sister Dali Esther. Et la sœur Jambi Bajo Marie Daniel. And sister Jambi Bajo Marie Daniel. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Merci beaucoup pour votre attention. Thanks a lot for your Merci attention. Merci beaucoup pour vos prières. Thanks a lot for your prayer. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons prier pour les frères. We are going to pray for the brethren. Ils doivent partir. They must go. Prêcher la bonne nouvelle. Preach the good news. Former les disciples. Make disciples. Bâtir les hommes. And build men. Et planter les églises. And plant churches. Et attendre. And wait dans la joie, in the joy, notre Seigneur Jésus Christ. Our Lord Jesus. Nous allons lire et à chacun de nous cette parole du Seigneur Jésus qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28. We are going to read to them and to each of us this word which is in Matthew, chapter 28. À partir du verset 16. Reading from verse 16. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. When they saw him, they worshipped him. But some doubted. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always. Even to the end of the age. Amen. Les missionnaires sont établis dans l'autorité de Jésus-Christ. The missionaries are appointed in the authority of Jesus. Qui a reçu du Seigneur éternel, du Père éternel, who received from the Father Lord le pouvoir, the power de sauver les hommes, to save men, de les ramener à Dieu, to bring back them back to God. Et il dit à ses disciples. And he tells et Jésus his a dit à ses disciples. He tells his disciples, allez, go,
faites de toutes les nations des disciples. Make of all nations disciples. Hallelujah. Praise the Lord. Vous êtes établi. You are appointed. Dans le pouvoir que le Père a donné à son Fils. In the power that the Father gave to His Son. Vous n'êtes pas de ceux qui ont des doutes. You are not of those who have doubts. La parole dit quelques-uns eurent des doutes. The word says that some of them doubted. Vous êtes de ceux qui ne doutent point. You are of those who doubt not. Vous irez. You shall go. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. And you shall tread on serpents and scorpions. Et sur tout le pouvoir, toute la puissance de l'ennemi. On all the power, the might of the enemy. Et rien ne pourra vous nuire. And nothing shall harm you. Vous avez l'autorité de sauver les pécheurs perdus. You have the authority to save lost sinners. Vous avez l'autorité de sauver les sorciers. You have the authority to save witches. De les désenfouter. And to disbewitch them. Et de faire de des membres authentiques de l'église. And to make of them genuine members of the church. Vous avez le pouvoir de guérir les malades. You have the power to heal. De ressusciter les morts. And to raise the dead. De déplacer les montagnes. And to displace mountains. Vous avez le pouvoir. You have the power. De changer les cœurs des hommes. To change the hearts of men. Vous avez le pouvoir. You have the power. D'apporter la lumière. To bring light. De chasser l'obscurité. To cast. Vous avez le pouvoir. Darkness. You have the power. De briser les murs de haine. To break walls of hatred. De séparation. Of separations. D'inimitié. Of inimity. Vous avez le pouvoir. You have the power. Vous avez le pouvoir. You have the power. D'ouvrir les tombes. To open tombs. Et libérer les captifs. And release captives. Vous avez le pouvoir. You have the power. De démolir les forteresses. To destroy fortresses. De briser les prisons. And to break jails. Vous avez le pouvoir. You have the power. D'agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. To act in the name of the Lord Jesus. Vous devez bâtir les disciples. You must make disciples. Et le Seigneur est là tous les jours. And the Lord is there always. Que l'église se tienne debout. Let the church rise up. Et dit nous. Et tu dis, nous vous envoyons. And you said that we are sending you. Allez. Go. Faites de toutes les nations les disciples. Make of all nations disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptizing them in the name of the Father and the Holy Spirit. Enseignez-leur. And teaching them. À observer tout ce que Jésus-Christ a prescrit. To observe all that Jesus prescribed you. Let's pray for them. Lève ta main. Dis Saint-Esprit. Say Holy Spirit. Remplis-les. Fill them. Oins-les. Anoint them. Donne les dons. Déverse les dons. Déverse les dons. Saint-Esprit. Remplis-les, donne les dons, déverse les dons et les capacités. Levez vos mains, dites Seigneur, nous sommes à toi. Raise your hand and say, Lord, we are to you. Parlez-lui comme des enfants. Speak to him as children. Qui connaissent l'ordre de leur père. Who knows the order of the Father. Asseyons-nous pendant qu'ils sont en train de faire leur prière de consécration. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for the Lord Jesus.
Quand je dis au peuple, oui, tu mourras. Si tu ne pas le pas pour détourner le peuple de sa voix, ce peuple mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sort. Quand je dirai au peuple, oui, qui mourra. Si tu ne parles pas pour détourner ce peuple de sa voix, ce peuple mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Oui, toi, fils de l'homme, missionnaire, fils de l'homme. Je t'envoie comme missionnaire vers le peuple ivoirien. Vers le peuple ivoirien. Oui, je vous envoie vers le peuple ivoirien. Vers le peuple. Vous devez écouter la parole qui sort de ma bouche. Tu dois écouter la parole de ma bouche. Tu dois les écouter et les avertir de ma part. Oui, les avertis de ma part. Les avertis de ma part. Oui, chers missionnaires, je t'envoie. Toi, missionnaire, je t'envoie comme sentinelle. Vers le peuple ivoirien, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, dans toute la nation. Vers le peuple ivoirien, tu dois écouter, la parole de ma bouche. Ainsi parle l'Éternel, les avertis de ma part. Tu dois les avertir de ma part. Parce que quand je dirai au peuple nordiste, oui, il mourra. Si tu ne parles pas pour détourner les nordistes de leur mauvaise voie, ils mourront dans leur iniquité. Et je te redemanderai leur sang. Si je dis aux sudistes qu'ils mourront, si tu ne parles pas pour détourner les sudistes de leur mauvaise voie et qu'ils meurent, je te redemanderai le sang de chaque peuple au niveau du sud de la Côte d'Ivoire. Oui, missionnaire, je t'envoie à toi. Écoute la parole qui sort de ma bouche et avertis chaque peuple vers qui je t'enverrai. Sinon, ils mourront et je te redemanderai le sang. Oh, oui, missionnaire. Je t'envoie vers tout le peuple ivoirien. Je t'envoie comme sentinelle. Oui, je t'envoie comme sentinelle vers le peuple ivoirien. Oui, vers le peuple ivoirien. Dans les contrées de la nation. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Et les avertis de ma part. La parole de ma bouche. Tu dois les avertir de ma part. Les missionnaires vont regagner leur place. The missionaries are going to go back to the seats. Et nous allons partager une parole d'exhortation. And we are going to encourage ourselves with the word. Luc chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » 1 Pierre chapitre 4, verset 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Amen. Ces trois versets nous parlent des souffrances. These three verses speak to us about suffering. Les souffrances du croyant. The suffering of the believer. Jésus dit, Jesus says, vous aurez des tribulations dans le monde. You shall have tribulations in the world. Mais prenez courage. But take courage. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. Jean-Baptiste a dit, John the Baptist said, moi je vous baptise d'eau. I baptize you with water. Yeah, quelqu'un arrive. But another is coming. Il baptise de l'esprit et du feu. Who will baptize you with Holy Spirit and fire. Alléluia. Praise the Lord. 1 Pierre 4, verset 12 dit, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » 1 Peter 4, 12 says, « Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. » Les souffrances, the sufferings des croyants en Christ, of the believers in Christ, sont une bénédiction de Dieu, are a blessing of God. Jésus nous associe à ses douleurs. Jesus joins us, associates Il us. Il nous associe à ses peines. He associates us to his pains. À ses cris. To his cries, à ses angoisses, to his anguish. Et nous allons partager avec lui l'éternité. Nous serons avec lui dans son royaume pour l'éternité. We shall be with him in his kingdom forever. Si nous souffrons avec lui, if we suffer with him, nous régnerons avec lui. We shall reign with him. Dans notre génération, in our generation, les croyants ont oublié cette promesse. Believers have forgotten that promise. La promesse de souffrir à cause de Jésus. The promise to suffer because of Jesus. Parce que tu as cru en lui. Because you believed in me, in parce him, que tu demeures en lui. Because you dwell in him, parce que tu parles en son nom. Because you speak in his name, parce que tu vis pour lui. Because you live for him. Il y a des souffrances qui vont te visiter. He has some suffering that will also visit you. Pour te prouver. In order to test you. Et pour te qualifier. And qualify you. Dieu éprouve ses enfants. God tries his sons. 1 Pierre 1, chapitre 1. 1 Peter 1. 1 Pierre 1, nous allons lire à partir du verset 6. 1 Peter 1, we are going to read from verse 6. Suivez bien la lecture. Follow the reading carefully. Versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Cette parole dit que l'or, qui est une chose périssable. This word says that gold, that is something that perishes, est éprouvé pour devenir pur. Is tried in order to become pure. Et cette parole dit, and it says, Dieu, God, éprouve la foi des saints, tries the faith of the holy ones, pour qu'ils deviennent victorieux. For them to become victorious. Ils peuvent pleurer aujourd'hui. They can cry today. Mais quand Jésus va venir, but when Jesus comes, il y aura la joie. There will be joy. Il y aura la gloire. There will be glory. Il y aura le repos. There will be rest. Il y aura la paix éternelle. There will be peace. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'œuvre, the work, le succès de l'œuvre, the success of the work, dépend de ceux qui vont accepter la souffrance. Depends on those who will accept suffering. Si une église, if a church, refuse de souffrir, refuses to suffer, à cause de Christ, because of Christ, elle ne peut pas conquérir le monde. It cannot win the world. Un croyant qui ne veut pas souffrir, a believer who doesn't want to suffer, ne peut même pas se conquérir cannot même even pour Dieu. Win himself to God. Jésus ne peut pas régner dans la vie d'un homme qui fuit la souffrance de Christ. Jesus cannot reign in the life of someone who flee from the suffering of Christ. La souffrance des croyants était un thème bien développé. The suffering of the believers was a topic that was well developed. Des thèmes qui sont au cœur de l'évangile. Topics that are at the core of the gospel. Et Jésus dit, je vous dis cela afin que votre joie soit parfaite. And vous Jesus, allez souffrir à cause de moi. Jesus says that I tell you this for your joy to be perfect. For me, for my sake, you shall suffer. Alléluia. Et Dieu a promis l'assistance à tous ceux qui sont éprouvés en son nom. And God has promised assistance to all those who are tried in his name. Donc le croyant ne doit pas fuir les souffrances. So the believer must not flee from suffering. Les souffrances que sa nouvelle nature attire contre lui. The suffering that his new nature attracts to him. Dans 1 Pierre 4 verset 15, il est dit, in 1 Peter 4 verse 15, que personne d'entre vous en effet ne souffre comme maîtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pierre dit, c'est ce qui fait votre joie. Peter says that this is what makes our joy. Quoique maintenant, puisqu'il le faut. Though now, since this is compulsory, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. You can be grieved for a short while by various tests. Les apôtres enseignaient que les épreuves sont variées. Elles sont nombreuses. Elles sont variées. The apostles taught that testings are many and various. Diverses épreuves. Various tests. Il le faut.
This is needed. Hallelujah. Praise the Lord. Lisons ensemble Hébreux chapitre 5. Let's read together Hebrews chapter 5. Lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Read from verse 5 up to verse 8. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, Jesus Christ, a appris au niveau humain l'obéissance, learned at the human level obedience, en confrontant les souffrances, by facing suffering. Il n'a pas fui les souffrances. He did not flee from suffering. Jésus-Christ homme, Jesus Christ man, pour prouver aux hommes qu'il est obéissant, to show men that he is obedient, a supporté les souffrances. He endured suffering. A accepté les souffrances. He accepted to suffer. Si tu fuis la souffrance, if you flee from suffering, où est la preuve? Where is the evidence que tu obéis à Dieu? That you obey God. Quand tu obéis dans un contexte de souffrance, when you obey in a context of suffering, ton obéissance devient parfaite. Your obedience becomes perfect. Quelqu'un qui veut manger, someone who would like to eat, on dépose un plat d'attaqué. We put an attaqué meal before on him. On lui dit mange. And we tell him eat. Et il rend grâce à Dieu et mange. Est-ce qu'il a obéi? He gives thanks to God and eats. Has he obeyed? Ça, ce n'est pas l'obéissance. This is not obedient. Mais quelqu'un qui voit la croix, someone who sees the cross, on dit tu dois monter, on va te crucifier, tu vas mourir. They said that you shall go up there, you should be crucified and die. Ton père dit de mourir. Your father says that you should die. Il dit à son père, he tells his father, pardon, please, est-ce que tu peux changer? Can you change? Le père dit non. The father said no. Tu vas mourir. Must go there. Et il monte à la croix. And he goes up there. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. That's what we call obedience. La Bible dit il a souffert la croix. The Bible says that he suffered the cross. Il a supporté l'ignominie. He endured shame. Il ne voulait pas aller à la croix. He didn't want to go there. Parce que c'était difficile. Because it was difficult. Il disait que c'est une coupe amère. It was a bitter cup. S'il est allé à la croix, if he went on the cross, c'est l'obéissance qui l'y a conduit. It is obedience that took him there. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. That's what we call obedience. Qu'est-ce qui rend évidente son obéissance? What makes his obedience evident? C'est la croix. It's the cross. C'est la souffrance. It is suffering. Quand on te voit souffrir pour Jésus, when we see you suffering for Jesus, hey, he say, hey, il supporte tout ça. He enduring all this. Un autre va dire, c'est à cause de leur Seigneur. Another will say that it is because of their Lord. Ils disent qu'ils veulent donner tous les hommes à leur Seigneur. They say that they are going to give all men to their Lord. Ils savent ce qu'ils font. They know what they are doing. Ils sont déterminés. They are determined. Ils disent qu'ils vont amener tous les hommes à lui rendre une obéissance inconditionnelle, radicale, totale. They say that they will bring all men to a radical obedience to him. Et ils sont prêts à payer tout le prix. They are ready to pay all the price. Ils n'ont pas peur de souffrir. They are not
afraid to suffer. Souffrir des railleries. They are not afraid of shame. Des moqueries. Of mockery. Des persécutions. Quand on les persécute même, c'est comme si on les a exhortés à davantage de zèle. Persecute them is just as if you are encouraging them to serve. Toutes sortes de souffrances. All kind of suffering. Les injures. Insults. Lisons 1 Pierre chapitre 2. Let's read 1 Peter chapter 2. Lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Let's read from verse 21 up to verse 25. Frère, retiens que Jésus lui-même a accepté la souffrance. Brother, bear in mind that Jesus himself accepted suffering. N'écoutez pas les faux prophètes. Do not listen to false prophets. Ils peuvent te faire démissionner de ta vocation. They can bring you to dismiss from your call. L'apôtre Paul disait, ils n'ont pas de problème, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils fuient la croix de Christ. The apostle Paul, they said that they have no problem. Their God is their belly and they are fleeing the cross of Christ. Leur évangile, c'est l'argent, la nourriture, c'est tout. Their gospel is money, food, money, that's all. Lis. Read. 1 Pierre chapitre 2. Versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Frères, écoutons ce que la parole dit. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Let's listen to the word. That's why you've been called, because Christ also suffered for you. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Leaving you an example for you to follow his steps. C'est un message, une doctrine claire. It is a clear teaching. Les gens essaient de changer en disant non, le baptême de feu c'est telle chose. Attention, n'écoutez pas. Le baptême de feu là, c'est ça, la fournaise au milieu de nous, les épreuves dans lesquelles Dieu laisse ses enfants lui-même. People try to let you know that the baptism of fire is this. No, listen carefully. Baptism of fire is the test in which God himself leaves his children. Il a laissé un exemple. He has set a model, an example. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. There is no ambiguity dit, here. Lui, qui n'a point commis de péché. He who had not committed any sin, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, and in the mouth of him of whom there was no deceit, écoutez, listen, lui qui injurié ne rendait point d'injure, who when he was reviled did not revile in return, maltraité ne faisait point de menace, when he suffered he did not threaten. Quand tu es maltraité, when you suffer, you are ill-treated. Et que tu réagis par, and you react. Par, c'est quoi? Tu fais ça à qui? What is it? Why are you doing this to me? Tu as déjà raté. You have already failed. Ce n'est pas le modèle de Christ. It is not the model of Christ. Quand tu vas aller évangéliser, when you go
to preach the gospel. Ne maudis pas les gens qui te méprisent. Do not curse those people who despise you. Ne rends pas d'injures. Do not pay back. Ne menace personne. With abuse or insult. Do not threaten people. Sois heureux, joyeux, humble, bon, miséricordieux, compatissant. Be happy, merciful, humble, and blissful. Écoute les menaces avec un cantique dans ton âme, dans ton cœur. Mais ne prononce pas les paroles. Ça sera comme si tu le méprisais. Mais reste calme, chante dans ton âme. You must remain calm and listen to the threatenings with a song in your heart. Jésus disait, réjouissez-vous. Jesus said, rejoice. Quand on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. When they will tell you any kind of evil because of me. L'apôtre Paul disait à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. The apostle Paul was telling Timothy that all those who would like to live a godly life in Jesus will be persecuted. Cet évangile ne doit pas disparaître. That gospel should not vanish. Ceux qui oublient cette parole, those who forget these words, ne peuvent pas consolider, ne peuvent pas affermir leur élection. Cannot strengthen their election. Parce qu'ils vont tomber. That is, they will fall down. Parce qu'il y a une puissance dans les souffrances. Because there is a power in the suffering. Qui conduit à la délivrance même du péché. Which leads to deliverance from sin. La chair s'appuie sur la crainte de souffrir pour dominer sur l'homme. The flesh relies on the fear to suffer to rule over man. Il y avait une sœur pauvre. There was a sister poor. Qui était lourdement endettée auprès d'un Mauritanien. Who was heavily indebted near a Mauritanian. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? I asked her, what do you do with this? Elle dit non, c'est le riz. Quand il manque le riz, je vais prendre à crédit le riz, les sardines. It is the rice. When I lack rice, I go and take it there on credit. Je lui ai dit, I told her, à partir d'aujourd'hui, starting from today, ne va plus chez ce Mauritanien prendre quelque chose à crédit. No more go to this Mauritanian taking something in credit. Si tu dois mourir, meurs. If you shall die, then die. Elle a fait, je crois, 2-3 jours, elle a quitté. Elle a quitté. After elle, three elle days, a quitté la communauté, elle est partie. After 3 days, she left the community and went away. Elle ne veut pas souffrir. She doesn't want to suffer. Elle est sous les ordres de son estomac bruyant. She is under the order of a noisy stomach. Souffre. Suffer. Et sois délivré. And be delivered. Lis-nous 1 Pierre 4, verset 1. Read for us 1 Peter 4, verse 4. Pierre chapitre 4. 1 Peter 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand tu acceptes la souffrance dans ta chair, when you accept suffering in your flesh, tu vas constater une chose. You will notice one thing. C'est que tu ne crains rien. That is, you fear nothing. Tu ne crains pas la mort. You don't fear death. Tu ne crains pas les menaces. You don't fear threatening. J'étais quelque part. I was somewhere. Il y avait des hommes violents. There were violent men. Qui avaient séquestré un frère. Who took a brother. Il m'a appelé. He called me. Je suis arrivé, il y avait des menaces. When I got there, there were some threatenings. Je dis à celui qui était agité. I told the one who was restless. Je lui ai posé une question. I asked him a question. Il dit, quand on a haï quelqu'un et qu'on veut poser un acte
capital contre la personne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? When you hate someone and you want to take a capital action against that person, what do you do? Il me regardait. He was looking at me. Je l'ai aidé, on le tue. I helped him. I told him that we kill him. Je lui ai dit, là où tu me vois, moi, je n'ai pas peur de la mort. I told him that where you see me, I don't fear death. Et je sentais comment sa colère partait. And I could feel how his anger was vanishing. Les mots forts qu'on peut utiliser pour menacer n'étaient plus, ne pesaient plus. The strong word that you can use to threaten did not weigh anymore. Je lui ai dit que je n'ai pas peur de vous. Et je lui disais une vérité. I told him that I do not fear death, and I was telling him the truth. Selon le sentiment de cette circonstance-là. According to the feeling of this circumstance. Et l'ordre est revenu. And order came back. Si tu as peur de souffrir. If you fear suffering. Ça allait partir très loin. It would have gone far. Accepte la souffrance. Accept suffering. Accepte de dormir affamé. Accept to sleep being hungry. Ne te compare pas aux autres. Do not compare yourself to others. Dieu sait où il t'amène. God knows where he's taking you to. Ne commets pas l'erreur de lui dire celui-là comme quelqu'un demanda à Jésus et celui-là et celui-là. Do not mistake in asking Jesus, what about this one? Sois préoccupé par ton appel. Be preoccupied by your call. Même si les autres ont plusieurs voitures. Even if the others have several cars. Et que tu dois mourir sans vélo. And that you should die without any bicycle. Reste calme. Remain calm. Frère, si Dieu donne un vélo à tous les milliards d'hommes, chacun vélo, chacun, ça, le monde même sera mauvais, sera laid. If God was to give a bicycle to all these billions of people on earth, even the world would be evil. Si donner un avion à chaque individu, c'est-à-dire comme nous sommes dans la salle, là, chacun devait venir atterrir. If God was to give a plane to all each individual, le monde n'allait pas être beau. The world wouldn't have been beautiful. Quand tu regardes dans la salle, when you look in the hall, tu vois la beauté. You see beauty. Parce que chacun a ses yeux, because son nez, son menton. Donc ça donne l'envie de regarder chacun. Because each one has his eyes, his nose, his mouth, his cheek, and it gives us the envy to look at anyone. Si les gens avaient une même tête, tu regardes un seul. Si c'est le découragement, tu es découragé. Dieu est bon. God is good. Ne murmure pas quand tu souffres. Do not murmur when you're suffering. Ne pense pas que tu es maudit. Do not think that you are cursed. Nous sommes habitués au combat, si bien que quand Dieu te met même à l'épreuve pour t'aider, tu penses que tu es maudit. We are used to warfare so that when God even tests you, you think that you are cursed. Il est vrai qu'il y a des épreuves qui sont des jugements de Dieu, toujours pour notre bien. It's true that there are some trials, which are some judgment of God, and still for our good, for our own good. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, il est dit que quand on rompt le pain sans discernement, Dieu juge. In 1 Corinthians, it is written that when you break the bread without any discerning, God judges. Il fait passer le feu. He brings fire. Après, ça ramène les gens. After, it brings people on the right way. Ça chasse la folie. It casts out foolishness.
Alléluia. Praise the Lord. Prenons Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Reading from verse 2 to 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Praise the Lord. 40 années dans le désert. 40 years in the wilderness. Pour humilier son peuple. To humble his people. Pour faire souffrir son peuple. To make his people suffer. C'est le résultat qu'on a aujourd'hui. L'évangile t'a atteint. It is the result that we have today. Parce que c'était le développement du plan de rédemption. Because it was the development of the plan of redemption. Dieu était en train de former un peuple qui devait accueillir le Messie. God was forming, training a people who was to welcome the Messiah. Il frappe, il corrige, il frappe, il corrige, il met dans le feu, il donne la faim, la soif, il frappe. Aujourd'hui, nous sommes l'évangile dans nos mains. He strikes and corrects and sets in the fire, gives hunger, and today gospel is within our hands. Il a eu le reste qu'il recherchait. He has got the rest that he was seeking. Dieu va te briser. God shall Mais break you. Ça sera pour ton bien. But it will be for your own Dieu good. Va t'humilier. God will humble you. Ça sera pour ton bien. It will be for your Dieu own va good. T'écraser. He shall crush you. Il dit, il te traite comme un père traite son fils. He said that he treats you as a father treats his son. Il ne veut pas que ses fils et ses filles soient des fous. He doesn't want his sons to be some foolish men. Il y aura des jours où tu vas jeûner involontairement. There will be things that will make you fast without wanting to do so. Rempli du Saint-Esprit mais affamé. Filled with the Holy Spirit but hungry. Sa main est sur toi. His hand is upon you. Il y aura des jours où il va permettre que les gens te chassent, t'insultent comme on a chassé David un jour-là, renversé. Il marchait, la Bible dit qu'il était pieds nus et il marchait en pleurant. There will be some day when people will abuse you and cast you away as they did to David. Si tu dis je ne permets pas qu'on m'insulte, tu as raté. If you say that I don't allow that people abuse me, then you have failed. Si tu dis je ne permets pas qu'on me traite comme un enfant, tu as raté. If I don't allow you to treat me as a child, then you have failed. C'est le Seigneur qui te récompense. It is the Lord that rewards you. Parce que tu souffres pour lui. Because you are suffering for him. Il y a des situations que tu vas accepter. There are situations that you will accept. Parce que tu crains Dieu. Because you fear God. Point. Full stop. Quand tu penses au Seigneur, when you think of the Lord, tu cèdes. You yield. Tu cèdes. Et les gens pensent que tu es faible. And you give in and people think that you are weak. Je t'ai humilié. I humbled you. Je t'ai fait souffrir de soif. I made you suffer from thirst. Je t'ai fait souffrir de faim.
I made you suffer from hunger. Je t'ai imposé un seul repas. I impose only one meal to you. Un seul plat. Only one meal. Impossible de varier. Impossible de changer. Impossible to vary, to change. Une jupe, un pantalon. A skirt and a trousers. 10 ans hébergé par les gens dormant sur la natte. 10 years being hosted by people sleeping on a mat. C'est la natte de Dieu. It is the mat of God. Quand tu vas rentrer, faut bien la plier. When you get back home, bend it well. Ce n'est pas un mauvais sort. It is not a bad lot. C'est la manne. It is manna. Mange. Eat. Et vis. And live. Et marche. And walk. Le bonheur est devant. Happiness is ahead. Ne pleure plus. No more weep. Ne pleure plus, ne pleure plus. No more weep, no more weep. Ne dis pas je suis fatigué, Jésus est ton fiancé. Je veux le vivre, le vrai fiancé maintenant. Do not say I'm tired. People are saying Jesus is your fiancé. I want the true ones now. Bénis le Seigneur. Bless the Lord. Les souffrances sont une bénédiction. Suffering are a blessing. Mais si tu as volé, but if you have stolen, que tu es en prison, and you are in jail, Dieu ignore cette souffrance-là. God ignores that suffering. Si tu as mal géré ton argent, if you didn't manage your money well, que tu es tombé en faillite comme le fils prodigue, and you have gone bankruptcy as the prodigal son, Dieu ignore cette souffrance-là. God ignores that suffering. Là, tu te repens. At this level, you repent. Tu lui demandes pardon. You ask God to forgive you. Il te restaure. He restores you. Il remplace les années perdues. And he replaces the lost years. Mais si tu as bien géré ton argent, but if you have managed your money well, tu médites, tu réfléchis, you meditate, you think, et que Dieu ferme la porte, and God closes the door, rends grâce à Dieu, give thanks to him, tu n'es pas maudit, you are not cursed. L'esprit de Jésus repose sur toi. The spirit of Jesus rests on you. Homme de souffrance, homme de douleur. Man of suffering and pain. Ne marche pas en ennemi de la croix. Do not walk as an enemy of the cross. Ne poursuis pas les avantages terrestres. Do not pursue earthly advantages. Recherche la gloire de Dieu. Seek the glory of God. Accepte les épreuves. Accept tests. Vous aurez les tribulations dans le monde. You shall have tribulations in the world. Prenez courage. Take courage. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. Ne rétrograde jamais. No more. Don't backslide. Parce que les choses sont difficiles. Because things have become difficult. Jésus nous a avertis. Jesus has warned us. Il dit, je vous dis ces choses. He says that I tell you these things. Afin que votre joie soit parfaite. So that your joy can be perfect. Il veut dire, je ne veux pas que vous soyez troublés demain. He says that I don't want you to be troubled tomorrow. Quand ces choses vont vous atteindre. When these things reach you. Quand je devais démissionner. When I was to leave my job. Tous les conseillers. All the advisors. Se sont tus. They shut up. Chacun me disait, va voir le frère lui-même. Each one was telling me, told me, go and see Brother Zag himself. J'ai donc effectué un voyage. So I made a trip. Le frère m'a reçu. He received me. Je lui ai exposé mon dossier.
I displayed all my fire. Il était visiblement, il était excité de joie. When I could feel joy on his face. Il m'a dit le chemin de Gethsemane est un chemin de renoncement. He said that the way to Gethsemane is a way of denial. Cette parole est descendue sur moi. That word came upon me. Ça, elle m'a rempli de courage. It filled me with courage. Et a chassé les mauvaises impressions que le silence des autres avait laissé sur ma conscience. And cast bad impressions that the silence of the other left on my conscience. C'est un chemin de renoncement. It's a way of denial. Quand tu es dans ce chemin-là, when you are on that way, ne pose pas de questions aux gens. Do not ask questions to people. Agis. Just act. Agis. Act. Agis. Act. Avance. Avance. Go ahead. Go ahead. Il y a un missionnaire qui voulait me poser des questions, j'ai fui. A missionary wanted to ask me some questions, I fled. Il a dit que tu es arrivé là où personne ne peut t'aider. I told him that you have reached a point that no one can help you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Ne fuis pas les souffrances. Do not flee suffering. N'écoute pas les faux prophètes. Do not listen to false prophets. N'écoute pas quelqu'un qui te dit tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas souffrir, tu ne dois pas souffrir. Do not listen to people saying that you are a son of God, you must not suffer. Jésus-Christ a laissé un exemple. Has given us an example. Afin que nous suivions ses traces. For us to follow in his steps. Lève tes mains et réponds à Dieu. Raise your hand and answer God. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur. Je plaide. Oh, donne-nous l'intelligence pour comprendre, Seigneur, que la souffrance fait partie de notre appel. Les souffrances font partie de notre appel. Je plaide que personne ne fuit les souffrances. Que personne ne fuit les souffrances. Oh, et écoute cette parole et prie. Après cette prière, on va se séparer. Listen très bien. To this word and pray. After that prayer, we part. Colossiens 1, verset 24. Colossians 1, verse 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. I rejoice now in my suffering for you. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, what is lacking in the suffering of Christ? Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. I am achieving it in my flesh for his body, which is the church. Jésus n'est plus là. Il est parti nous préparer une place. Jesus is no more here. He went just to get places ready for us. Si quelqu'un doit gifler Jésus maintenant. If someone is to slap Jesus now, c'est toi qu'on doit gifler. You are the one who should be slapped. Tu achèves les souffrances de Christ dans ta chair. Ce n'est pas pour sens figuré. You are achieving, accomplishing the suffering of Christ in your flesh. It's not a figurative meaning. Je dois achever les souffrances de Jésus dans ma chair, dans le corps physique. I must accomplish the suffering of Christ in my physical flesh. Je dois marcher chercher les frères. I must walk to seek brethren. C'est un effort. It's an effort. Je dois rendre visite aux nouvelles âmes. I must pay visit to the new souls. Je dois aller en mission dans des coins les plus retirés. I must
go into mission in places that are far. Je ne veux pas aller à Abidjan, Yamoussoukro. I don't want to go to Abidjan, Yamoussoukro, but I will go to Nassian. Tengrela. C'est-à-dire que le voyage seulement, tu es déjà brisé. Only the trip, you are broken. Tu dois achever les souffrances de Christ dans ta chair. You must complete the suffering of Christ in your flesh. C'est une doctrine. It's a teaching. Clair dans la Bible. A clear teaching in the Bible. Dieu même dit, je t'ai fait souffrir. God himself said that I made you suffer. Réponds au Seigneur. Answer the Lord. Seigneur, j'accepte. Oh, Jésus-Christ. Pardonne-moi la fuite. Pardonne-moi quand j'ai fui la souffrance. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que ton chemin soit libéré de tout obstacle. May your way be released from any obstacle. Ceux qui veulent prier peuvent rester. Those who would like to pray can stay. Je t'envoie comme missionnaire. Je t'envoie comme missionnaire. Vers le peuple ivoirien. Vers le peuple ivoirien. Oui, vers le peuple ivoirien. Vers le peuple ivoirien. Tu dois écouter la parole de ma bouche. Tu dois écouter la parole de ma bouche. Et les avertis de ma part. Si tu ne parles pas pour détourner le peuple de sa voix, ce peuple mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sort. Quand je dirai au peuple oui qui mourra, si tu ne parles pas pour détourner ce peuple de sa voix, ce peuple mourra dans son iniquité. Je redemanderai son sang. Oui, toi, fils de l'homme, missionnaire. Fils de l'homme, je t'envoie comme missionnaire. Vers le peuple ivoirien. Vers le peuple ivoirien. Oui, je vous envoie vers le peuple ivoirien. Vers le peuple ivoirien. Vous devez écouter la parole qui sort de ma bouche. Tu dois écouter. Et les avertis de ma part. Oui, les avertis de ma part. Les avertis de oui, cher missionnaire, cher missionnaire, je t'envoie. Toi, missionnaire, je t'envoie comme sentinelle. Je t'envoie comme sentinelle. Vers le peuple ivoirien, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, dans toute la nation. Vers le peuple ivoirien, tu dois écouter. Les avertis de ma part, tu dois les avertir de ma part.